Bonjour à toutes et à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend, on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire dans nos conquêtes de l'Empire byzantin. Et nous allions bien évidemment continuer à récupérer une partie de cet empire-là en faisant des guerres saintes. Hein. C'est bon, hein. À moins qu'on ait beaucoup de revendications, mais je doute. Donc voilà, on va à peu près voir où on peut déclarer la guerre. Donc c'est un païen techniquement, je pourrais déclarer la guerre. Mieux. Faut qu'on déclare la guerre ici. Voilà. Bon. Donc bien évidemment. Je vais regarder pourquoi je perdais des titres comme je vous avais promis dans la vidéo précédente. Et cette perte de titres est due à des lois de partage salique. Donc je sais pas. Est-ce que j'assassine un de mes deux enfants? Je sais pas, on verra bien. J'ai changé quelques lois de succession, bien évidemment. Bon, j'ai 43 ans. Ça va plaire à personne, mais on n'a pas le choix, faut dire ce qui est. Tant que toutes les lois de Andalousie, tiens, j'ai pas vu le royaume de Perm. Tant que toutes les lois de succession ne sont pas primogéniture, ça risque de me poser un problème. Pas d'accord, il me posait un problème dans le sens que dans le cas des partages saliques, parce que plus souvent c'est comme ça, ben je perds une partie de mes terres, parce que plus souvent ils déclarent indépendants, et dans le cas là je perdrais quatre royaumes assez éloigné, donc le royaume de Croatie ici, le royaume d'Andalousie ici, le royaume de Suède et le royaume de Perm. Et disons que c'est chiant à y récupérer après. Quand c'est aussi éloigné, je déteste. Encore, si c'est par exemple le royaume de Croatie et de Hongrie, ça aurait été moins problématique. Mais bon, là c'est deux royaumes assez éloignés, donc je vais devoir tenter de négocier un peu pour le changement des lois. Donc voilà. Une trêve s'arrête avec qui? Le sultan. J'ai une indication ici, 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 normal, ici, ici. D'accord. Voilà, le royaume d'indépendance veut de nouveau faire des siennes. Bon, peut-être une deuxième guerre d'indépendance, on verra bien. Si c'est le cas, ben, je ferai une église durant cette guerre. Comme toujours, ça prend beaucoup trop de temps. Pour vous le filmer, hein, étant donné que ça demande beaucoup de préparation, notamment qui est le chef de la guerre. Et regardez un peu aussi où sont les personnes, hein, bon. Pour pas être trop surpris. J'ai vu deux rois de mémoire. Ouais, donc l'explosion, ça, à mon avis, ça risque d'exploser ici et ici. Donc on va mobiliser déjà nos armées.
Il y a deux techniques. Je vous explique les deux techniques qu'il y a quand il y a une rébellion qui risque d'éclater. Soit vous mobilisez déjà toute votre armée entre guillemets nationale, hein. Donc toutes vos troupes ou qu'elles soient. Dans le but de sauvegarder le plus possible votre armée, hein. Comme ça, vos troupes sont déjà rassemblées, tout ça, donc c'est déjà un problème en moins. Ou d'à peu près localiser où seront les gros, les principaux foyers de... Dommage que j'ai pas perdu. Et disons qu'après la deuxième technique, c'est soit vous les éliminez tous, une solution, soit vous regroupez toutes vos armées à l'endroit où il y aura une grande partie de la rébellion. Quand j'ai regroupé vos armées, c'est les escorts, bien évidemment. Bon, quand vous avez très peu d'escorts, vous avez besoin de lever l'armée nationale, mais ça évite les petits défauts des armées nationaux, c'est-à-dire de rendre mécontents vos vassaux, vu que déjà qu'ils vous apprécient pas. Suffit qu'en plus, vous les armées, vous risquez voire même d'empirer la situation, donc... Ça m'est déjà arrivé que parfois certaines personnes décident de rejoindre la guerre d'indépendance tout simplement. Et c'est légèrement problématique dans des solutions comme ça. Parce que on ne peut strictement rien faire. Autant parfois des comtes sous l'autorité de certains ducs décident de nous prêter main forte, ouais, ils disent nous quittons, nous ne soutenons pas par exemple la rébellion, je sais plus le message exact, donc voilà. Nous vous demandons en gros, ils s'excusent, hein, ils veulent nous rejoindre, ça m'a déjà arrivé plusieurs fois ça. Ça va péter. Le gros avantage c'est que ça fluidifie entre guillemets le... un peu les batailles, parce que parfois... on va prendre l'exemple d'un roi, ça m'était un coup arrivé qu'un roi que tous ses comptes en dessous de lui m'est soutenu en fait. Donc se dire en fait les seules troupes qu'il a pu lever n'étaient d'autres que ceux un peu initiaux, hein, un peu initiaux. On va avoir problème de langage. Que celle qu'il avait au début en fait. Les seuls territoires plutôt qu'il pouvait occuper, c'était les siens. Par exemple, on prend le cas du roi de Léon, hein. Non, de Galice, il est plus imposant normalement. Voilà, de Galice. Voilà. Moi, il n'y a eu que ce comté-là. Dans ce cas, ça aurait été lui, ben tous les autres comtes sont rebellés, il ne restait plus que les troupes de ce comté-là. Ça simplifie drôlement une guerre, mine de rien. Donc voilà, ouais, c'est... Ne faut pas vous dire, ouais, il y a une rébellion, ça va être dur à maintenir, non. Certes, les guerres civiles, parce que c'est ça, sont assez compliquées au début à gérer. D'ailleurs, plus votre empire est grand, plus c'est compliqué à les gérer, faut dire ce qu'il y a aussi. Mais un peu de bon sens et tout va bien. Usurpé. Duché de Mésopotamie. Je vois pas. Ah d'accord, il est comte aussi ici, d'accord. Il est plutôt baron. Corinne avec tout ce qu'il y a dedans. Bah, c'est un gentil comte, bon, il me déteste mais bon. Comte de Taron. Et oui, hop toi. Le duché de Mésopotamie, voilà.
Le duché d'Edesse, c'est bon. La guerre contre eux, c'est bon. Ah, et j'ai encore perdu une escorte. Bon, pas grave. Y a plus grave, faut que rapidement j'arrive à... Je sens qu'on m'a assassiné. Alors. Bon, ben disons, mon frère est sous mon commandement, faut dire ce qui est. Voilà. Ça, il est pas bon du tout. Il est pas bon du tout. Hop, on prend L. Oula, oh. Ah oui. Oui. J'ai des traces. Pourquoi es-tu prisonnière? Je sais même pas, il y a des personnes qui sont prisonniers, je sais pas pourquoi. Un manque de chance, la guerre s'est très vite arrêtée. Hein. Bon, comme je vous avais expliqué, je récupère le royaume d'Angleterre étant donné que... Oui. Toi, vas-y, révolte-toi. Je vais même... Voilà. Lui, il va se rébeller. Comme ça. Donc ici, ça va se rébeller. Ça va peut-être être plus compliqué que ce que je pense, mais bon. J'ai de merci. Par contre, on m'explique comment ça se fait qu'il y a un truc de croate là-haut. Hein. Bah, qu'on m'explique. Des duchés ça c'est compté à haut que je peux toujours pas me débarrasser. Donc le comté de Constantinople et voilà. Bon, maintenant on n'attend plus que la rébellion, hein. S'en fiche de... oula, oula. Ah ouais, quand même. Je sais même plus où il était. Ouais, hop, on va mettre là. Plutôt mettre lui. Voilà ma capitale. Et très bien lui. Je vais me protéger. Et où avons-nous des problèmes de religion? Un peu là. En fait, ça va. Alors, on n'est pas encore un grand problème.
Je veux dire, c'est pas plus mal. Et qui se révolte lui? Parce que regardez, je te parie, je sais déjà pourquoi. Parce qu'il est ambitieux, ça m'étonne pas. Et patati et patata. Me voit concupine dans notre jeu. Ah bah voilà. Comme promis. Ici c'est explosé donc. Ah il était aussi roi dans Dagouzi. Bon, on prend en Croatie. Je sais plus où est mon armée. Là. Bon, l'armée s'occupera de la Suède. Bon, Perm, c'est pas un truc qui lève beaucoup de troupes, donc c'est pas un problème. Donc voilà. Plus vite les troupes. Putain, mais y a pas d'hommes dans ce pays ou... Oh, y a rien du tout. Ah, y a à peine 2000 hommes. Donc, c'est quoi les lois qu'il y a dans ce pays, là, Angleterre? Ouais, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi. J'ai mis autant en fait d'appeler les troupes de France. Putain, non, j'ai même pas de troupes. Bizarre. Probablement parce qu'il y a un changement de droit à mon avis, je pense. Oula, oula. Voilà. C'est ce que je vous expliquais là. C'est ceux qui ne veulent pas... C'est ceux qui ne soutiennent pas, comme vous avez expliqué, les agissements d'un autre oppresseur. Ah, dans ce cas, mon frère. Là, on constate que... Il y a quasiment déjà, à part la Croatie, et Perm, la Suède, est revenue sous contrôle, l'Andalousie. À ce qu'on constate, est à moitié sous mon contrôle. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qu'on peut constater? Bon, la Suède, ben voilà, la Suède. C'est plus vraiment un véritable rebelle. Hein. Non, mais par... Ouais, par contre, je change de coutume. Ça... Ça sera plus bénéfique à long terme, en fait. On va autoriser exceptionnellement un duel, il y aura un mort. Alors. Bon, c'était ici. C'était que... Je suis juste curieux de mon frangin, là. Il y a quoi en troupe? Il n'y a aucune troupe, là. Bah, mine de rien, ça peut être très pratique en guerre d'indépendance, c'est plus rare qu'il y en ait autant, mais en guerre en fratricide, c'est... Same thing, ça doit être ici. Non. Je sais pas où c'est.
Attends. Ah, il est soutenu par des... Oui, bien évidemment. Et essaie d'occuper de trouver certaines personnes pour un peu l'aider. Un petit peu. Mais bon, ça changera pas que je contrôle tout l'essentiel de l'Empire. Bon, malheureusement, j'ai une guerre d'indépendance qui va m'éclater dans l'iPad. Quoi que je fasse, elle va m'éclater dans les pattes, celle-là. Ouais. Ici, ça pose problème. Yep. Et, ouais, bon, comme d'hab, en fait. C'est étrange, mais dès que c'est un... Bon. Je crois qu'on va avoir un petit problème. Non, mais un tout petit. Bon. Encore, je dois dire que... Ça va peut-être pas être la pire guerre au monde. Pourquoi? Parce que... Il y a deux petits comtés là, deux petits comtés là. Bon, l'Espagne, c'est peut-être l'endroit où c'est le plus problématique, mais sinon, tout se regroupe à l'est. Quand je dis à l'est, c'est, regardez, ici. Voilà. Alexandrie et Le Caire me sont retournés contre moi, mais c'est pas grave, ça devrait le faire. Si jamais je vois que j'ai du mag, ben je couperai la vidéo et je me débrouillerai. Voilà. Oh mais attendez, même mieux, je viens de constater. J'ai ma propre armée. C'est parfait. Bon, un petit peu ici. Donc ça a l'air. Bon, la révolte est moins problématique que la première parce qu'elle est moins dispersée, c'est ce que je vous expliquais. Quand les révoltes sont... Les rébellions plutôt, pour même dire, sont extrêmement concentrés, que même à se dire c'est beaucoup concentré en Europe de centrale, c'est tout même, hein, on peut même dire ça, et de l'Est bien évidemment, faut, ben ça évite en fait le, faut qu'on se batte partout pour récupérer l'Empire en fait. Que c'est peut-être le plus problématique dans une guerre. Bon, il y a... Bon, ça c'est un truc qui... Bon. Voilà, eux ils lèvent tous les mercenaires. Bon, je vais avoir un tout petit problème là. Je vais m'en occuper hors antenne et je reviens vers vous. A tout de suite. Bon, ça va me prendre un bon petit coup. Là. Donc nous revoilà. Bon, comme promis, je vous ai passé cette guerre civile. Alors pour résumer vite fait cette guerre civile, ben... Comment dire... ça s'est plutôt bien terminé étant donné que j'ai... Voilà, mon... Étant donné que j'ai récupéré tous les royaumes. Mon frère est mort, en fait juste après avoir gagné la guerre civile contre mon frère, ben, il est mort. Donc pour dire, ça c'est quand même bien. Après la guerre civile qui s'est un peu généralisée, surtout à l'Est, je m'en suis plutôt bien géré, mais malheureusement, même pas quoi, 3 mois après, ben mon empereur est mort et j'ai dû récupérer son fils qui avait 1 an. Et le petit problème quand vous avez un enfant, encore dans un petit royaume, ça va. Dans un empire comme ça, c'est assez compliqué pour garder le peuple en confiance. Donc, j'ai dû l'aider. Voilà, j'ai dû passer ça. J'ai eu 3 guerres civiles sur les bras, pour vous dire. Maintenant, il a 16 ans, donc c'est bon, il est légal.
J'ai plus de problème maintenant de guerre civile. Parce que la diplomatie en fait qu'à votre personne n'est pas prise en compte, c'est celle du régent, et l'importance de la diplomatie du régent est inférieure à l'importance de la diplomatie de l'empereur. Donc voilà. Donc c'est ce que vous avez loupé. J'ai aussi reconstitué toutes mes os d'une nouvelle manière. Je vais vous montrer maintenant ce que j'en escorte. Vous pouvez constater que toutes mes armées ont 20 000 hommes, également d'infanterie. Donc j'ai deux escortes de cavalerie lourde, une escorte d'infanterie lourde, et je suis en train de constituer, j'ai déjà constitué la première escorte de piquier, et je suis en train de... Attendez. La deuxième est ici, en fait je suis même en train de créer la troisième, parce que j'adore cette unité, donc voilà, je me dis, pourquoi pas en faire une troisième. Pourquoi je suis revenu à cette idée-là? Ben, tout simplement parce que moi, en général, mes ravitaillements sont limités à 20 000 dans les pays de l'Est, donc voilà. Et pour finir, dernière chose, là, il s'est passé deux choses. La première, c'est que la Horde d'Or, on m'a déclaré la guerre, mais s'est converti à l'islam, et a finalement décidé de, ouais, on peut dire entre guillemets, arrêter la guerre, hein. Voilà, c'était en fait la fin de la Horde d'Or, je crois que c'était en 81 ou 80. Bon, pour dire que c'était stoppé, voilà, il n'y a plus d'invasion. Et autre chose, c'est qu'il y a une grande guerre qui se produit en Empire Byzantin pour que je devienne l'empereur de Byzance. Officiellement, Byzance, je possède déjà, hein. Mais bon, il y a comme une bonne autorité là, qui essaie de m'instituer. Je vais tenter de les aider, hein. Doroguer, je sais pas où c'est ça. Off the shore. Ah, je peux pas. Bon. Donc on avisera comment c'est. On verra bien, hein. Ça sera la surprise. Et en dernière situation, vous constatez aussi que j'ai une trésorerie immense. Faut dire que c'est quand même un avantage de faire beaucoup de guerres, étant donné que vous pillez beaucoup, hein, quand il y a des guerres civiles. Bah, au final, j'ai eu des indemnités énormes. Et je n'ai plus de royaume indépendant aussi. Je possède tous les titres d'empereur et de roi. Bah. Donc en gros, bah, j'ai résumé vite fait ce qui s'est passé. Donc voilà, par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que je peux... À moins que j'ai une revendication, vous voyez. Ouais, hop. Donc, je vous explique ce que je vais faire. C'est de la triche quand même. Mais je vais foutre en l'air, en fait, l'Empire Byzantin, dans le sens que je vais attaquer les troupes, en fait, de l'Empire Byzantin. Exiger, voilà. Oui, je donne de l'argent comme ça, je m'en fiche. Et je suis marié à de mémoire, voilà. Mon épouse, voilà. Et ben... D'accord. Merci à le conseiller. Donc voilà. Ouais, qui a fait cette base, c'était pour unir l'Orient et l'Occident et l'Orient. Bon, on verra bien. Emprisonnement, mettre fin au complot. Mettre fin au complot. Bon, il devrait se gérer. Ah oui, aussi j'en profite pour Angleterre, je viens d'y penser, il y a une guerre civile en Angleterre. Comme d'hab, hein. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai toujours une armée stationnaire que je vais ici pour tout ce qui est Écosse et Irlande et Angleterre, parce que c'est chiant d'avoir des révoltes là-haut, hein. Faut dire ce qui est. Donc lui... Ouais.
Comme toujours, je vous déconseille d'essayer de capturer des villes avec de la cavalerie, mais bon, ça vous êtes habitué, hein. Je ne vous apprends plus rien. Et je me demande... Non, ça change rien. J'en profite vu que je vois ça, c'est que j'ai dans cette partie-là, j'ai pas eu beaucoup de chance, étant donné que d'habitude, j'ai un ou deux génies dans ma famille, et dans ma toute première partie, celle où j'ai quand même conquéri le plus, j'ai eu deux génies d'affilée, ce qui m'a valu en fait un peu de stabiliser tout le pays. Et après, ben, j'avais toujours des diplomaties d'État énormes. Donc voilà. Ça, c'est un facteur chance qui influe, mais si vous avez des génies, je peux vous dire qu'à partir est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Hein. Yep. Ouais, je préfère préciser. Hein. Je viens de voir que j'ai une défaite. Sûrement comme d'habitude. Ouais, bah c'est ça. Comme toujours, c'est des... En fait, à ce que j'ai compris... Vous voyez, parfois, il m'indique des fêtes. C'est pas une défaite à proprement parler. Comme, par exemple, là, on fait une guerre. Là, je perds un endroit où je gagne. Hein. Ça serait apparemment des défaites sur mes comptoirs commerciaux. Et plus précisément, c'est une autre république qui récupère le comptoir. À ce que j'ai compris. Donc... à confirmer, mais voilà, je préfère le dire. J'ai l'honneur de vous informer que la majorité là, voilà, très bien. Donc voilà. Mais ah oui, juste petite information. Vous voulez simplement, voilà, vous avez vu le nombre d'années ce qui s'est passé entre les deux vidéos. Il y a surtout autre chose qui fait que je commence un peu à en avoir marre des rébellions. C'est que j'ai passé 10 heures dessus. Plus ou moins une heure. Hein. Donc voilà, c'est vraiment très 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 long les rébellions. Et honnêtement, au bout d'un moment, vous en avez ras le bol. Il y a des choses par plein de république là. Athènes, bon. J'irai m'en occuper après la guerre. C'est des rébellions là-bas. Ah, je chope l'armée là. Ouais, c'est ça. C'est Byzance qui s'amuse à capturer mes comptoirs commerciaux. Honnêtement, je m'en fiche un peu, hein. C'est plus vraiment ce qui me préoccupe. Et une petite information aussi, c'est que j'ai constaté, peut-être que c'est juste un coup de pas de chance, mais apparemment, les troupes de choc ont plus de mal à capturer des villes que des piquets. Birmanie de mémoire, c'est là-haut. Bon, j'ai une bonne mémoire. Bon, là, vous comprenez aussi pourquoi j'ai stocké toutes mes cavaleries lourdes là-haut. La Hordor. Parce que c'est un peu en fait le plus... C'est ce qui me gênerait le plus pour l'instant dans mes parties, la Horde d'Or. Donc voilà, c'est... C'est à voir, hein. Donc, très bon point, ils sont en train de capturer ici. Ils ont l'air de gagner, hein. Les doges qui changent. Donc moi je veux dire, tant que ça continue, c'est très bien.
Donc on va finir cette guerre, parce que je sais, j'ai regardé avant de reprendre, j'avais constaté que j'ai quasiment déjà fini la vidéo quand la guerre civile a éclaté, la précédente. Donc on finit cette guerre, je vais éviter de la faire trop longue. Et on se retrouvera après, hein, bien évidemment. Et je viens de me rendre compte, pour vous dire comme je fais vraiment attention à ça, le symbole de l'or d'or a changé. C'est ça, c'est un autre symbole avant. Donc on va mettre imprévisible, ça c'est bien. On peut se mettre sur des steppes et des plaines, ça va être très bien. Ça c'est... Inflexible, ça va être très bien. Voilà. Il n'y a peut-être pas avec qui ça se termine en mettre. Ouais bon, ça c'est bien évident comme toujours. Hein. Ah oui! L'or teutonique m'a récupéré ça pour la guerre d'indépendance, donc je peux le récupérer. Voilà pourquoi il y a eu une guerre avec eux. Parce que vu qu'ils m'ont piqué un territoire. Voilà, le problème quand ils sont indépendants, vos vassaux, c'est que plus souvent tout le monde profite pour récupérer des parties dessus et vous pouvez très rapidement perdre du territoire. Hein. Ouais, c'est malheureusement vous n'y pouvez rien. Voilà. Hop. Hop, bon, j'ai oublié de couper Steam, je couperai entre les deux vidéos vu que les paysans se sont révoltés. Très bien. Déjà, quand ils ont pas de cavalerie, déjà c'est tellement plus simple. Ouais, tout le monde m'apprécie maintenant, c'est totalement génial. Et je cherche tout, j'ai mis une mise à jour dans ma carte graphique. Il vient de perdre, je vais pas abandonner, d'accord. Oh, c'est bon, un petit bug on va dire. Donc voilà, comme j'ai dit, on va stopper là. Parce que la vidéo commence à se faire longue pour vous, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Hein. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse encore déjà d'avoir coupé cette guerre civile, mais comme toujours, ça prend tellement de temps que j'aurais pu faire au moins 6 épisodes sur celle-là. Hein. Ouais, j'évite de faire des épisodes qui sont parfois inintéressants. Donc voilà, je vous remercie toujours d'être de plus en plus nombreux à me suivre, comme toujours. Et j'espère que ça continuera comme ça et que vous continuerez à apprécier mon travail. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous dis portez-vous bien. À la prochaine fois. Et vive le jeu vidéo.